Salut les geeks et les geekettes, bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui on est mardi, c'est la crise, la récession, ça va être la guerre, on va tous mourir. Alors aujourd'hui au sommaire, on a le reportage sur Fable 2, on a le temps perdu du gars Robin, on a aussi quoi, ben, le rétro et magique du camarade Pirou, et puis tout de suite, ben, c'est les news de Pierre-Alex et Thierry. En parallèle du Tokyo Game Show se tient ce week-end un autre événement d'envergure internationale, mais aux États-Unis cette fois-ci. Il s'agit de la BlizzCon qui a pris place cette année dans la ville d'Anaheim, en Californie. Durant ces deux jours, deux grosses annonces ont été faites par Blizzard. L'éditeur américain a tout d'abord révélé que StarCraft 2 serait en fait une trilogie. Le jeu sera en effet découpé en trois épisodes distincts. Chacun d'entre eux se focalisera sur l'une des trois factions disponibles. Le premier épisode, sous-titré Wings of Liberty, proposera ainsi aux joueurs de participer à la campagne solo aux côtés des Terran. Les deux autres volets s'intituleront quant à eux Heart of the Swarm et Legacy of the Void et donneront accès respectivement à la campagne solo des Zergs et des Protoss. Rob Pardo, le président de Blizzard, a par ailleurs tenu à affirmer que les jeux comporteraient chacun des spécificités autres que la campagne solo. Des éléments RPG seront ainsi disponibles lorsque l'on jouera les Zergs, alors que l'accent sera mis sur la diplomatie du côté des Protoss. Par ailleurs, l'intégralité du mode multijoueur sera intégrée au premier épisode sortant dans le commerce, à savoir Wings of Liberty. Toutefois, toutes les unités ne seront pas jouables online. Certaines d'entre elles seront en effet uniquement réservées aux campagnes solo de chaque jeu. A priori, le choix de scinder StarCraft 2 en trois volets serait uniquement dû au fait que la sortie du jeu aurait été très retardée s'il avait fallu le vendre en un seul bloc. Une décision qui risque bien de décevoir de nombreux joueurs et qui suscitera à coup sûr de multiples débats. L'autre information majeure de cette BlizzCon, c'est l'annonce de la troisième classe de Diablo 3. Il s'agit du Wizard qui sera traduit en français par Sorcier. Du coup, le Sorcier Docteur sera lui renommé Féticheur, probablement pour éviter les confusions. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais le Sorcier pourra utiliser des pouvoirs magiques liés au feu, à la glace ou encore à la foudre, mais il pourra également ralentir le temps et se téléporter. Un petit mot sur FIFA 09 maintenant. Le jeu a réalisé un excellent démarrage au niveau des ventes. En une semaine, il s'est écoulé en Europe à plus d'1,2 million d'exemplaires, tous supports confondus. C'est tout simplement le meilleur démarrage de toute l'histoire de la série. La qualité du jeu n'y est certainement pas pour rien, mais ça, vous le verrez lors de la critique qui sera diffusée vendredi prochain dans 101%. This is the dawn of a new age, an age where the fate of nations will be forged in the fires of war. This is the age of reckoning. Sorti le 18 septembre dernier, Warhammer Online Age of Reckoning a d'ores et déjà séduit plus de 750 000 joueurs qui se sont inscrits pour participer à l'aventure. Un résultat impressionnant qu'il faut cependant relativiser. En effet, les joueurs bénéficient encore de l'offre gratuite de 30 jours fournie avec le jeu, et il faudra donc regarder attentivement combien d'entre eux resteront lorsqu'il faudra payer. Toutefois, comme l'annonce communément Goa et Mythic, le jeu est bien parti pour être l'une des meilleures ventes PC de l'année 2008. C'est déjà ça. Ah,
des news pleines de charme, pleines de poésie, pleines d'amour. Hein. Alors, on va poursuivre dans ce registre avec le courrier des spectateurs. En effet, avec l'imminence du krach boursier, de la fin du monde, nombre de geeks et de geekettes désespérés, ne trouvant aucun salut dans les sept apocalyptiques, se tournent vers votre très très humble serviteur. Si, si, je suis très humble. Hein. Ils sont avides d'entendre sa bonne parole, espérant que celle-ci apaise leurs tourments. Alors, tout de suite, première lettre. Hein. On n'a plus le temps, le plateau est déjà trop long. Donc, on regarde le reportage sur Fable 2 et après, on ouvre la première lettre. De passage sur Paris à l'occasion du dernier festival du jeu vidéo, Peter Molineux, créateur de Populous, Powermonger, Syndicate, Magic Carpet, Dungeon Keeper ou encore Black and White, était venu présenter sa dernière production au sein de Lionhead, Fable 2. My name is Peter Molineux. I am called a creative director these days, which kind of means that in Fable 2, I was the one of the creative forces behind Fable 2, but I was not the only designer. I had a team of 7 designers under me, and some of them specialized in combat and some of them specialized in simulation, and I tried to guide those people. It's the best thing. Sur cette suite donnée à Fable, l'action RPG exclusif à la console de Microsoft, le studio de développement s'est attaché à développer 3 points essentiels. You know, drama. And this is something I've learned as a designer, is that a game mechanic without the drama means nothing. And what drama means, yes, it means a great story. Absolutely, it means a great story. It means a story that we needed to have script writers to write and help us with, and film directors and actors to help us with. But it also means, what drama means is that if we do our job right, we can wrap that story around the game mechanics in a way it hasn't been done before. So we have this thing in the game called a dog. And early on in the game, you get this dog and he's by your side and he's your companion and he's a faithful dog and he looks you up in the eyes, and sometimes your heart will melt just for the fact that you've got this dog and he wags his tail when you're excited. And that begins to get under your skin. You can't help yourself to like the dog, and maybe just a little bit of feeling of caring about the dog and loving the dog. Now, once you care about it, then if I start telling the story and anything hurts your dog in that story, then that makes the story much, much more dramatic. So don't think of drama as just the words that you hear out coming out of people's mouths or the combat that you fight through. Think of it as being how you're feeling while you're playing the game. And I want you to feel different emotions while you're playing Fable 2. I want you, when Fable 2 finishes and you put down the controller, I want you to remember that experience for the rest of your life. That's all. That's not much to ask. And how many, truly, how many films and books computer games do you really, really remember? So that's the first thing. The second thing is it's accessibility, and that does mean, it means more than that one word. It means I want everybody to experience this world. I don't just want gamers to experience it or just casual gamers to experience it, everybody. And that doing that may meant that we need to think about how we could have anybody of any skill play Fable 2. And what that actually means, that doesn't mean making it dumb and stupid, it means making it incredibly deep and flexible. It means making a system that hardcore gamers, I have to blow them away like I've never blown them away before. I have to give them a combat system that is different to anything they've experienced before, because there's so many of these games out there, I've got to give them something new, and if I don't give them something new in combat, they're going to walk away bored. And I've got to do that, but I've also got to do it in such a way that these guys over this side, the casual people, can play and not feel dumb and stupid and want to throw the controller across the room. And that's what, for games that I've done before,
does. It makes it for these people or these people, but not in the middle. So that's what the accessibility means. It also means, it comes to the next point, it's the sharing point, the ability, and this is partly done because I'm married now. And now I'm married, I realize how awful life is for people with partners who don't play computer games. You kind of, my wife, I used to, you know, we used to go to bed 11 o'clock at night, and then I used to sneak down and start playing my games. Now, I think my wife thought I was looking at porn or something like that. I don't know what she thought. So I thought that came to the accessibility point. Why shouldn't she be playing with me to start off with? And she would come downstairs and see me playing computer games. Now, if I could just throw a control and say, hey, come on, join in, rather than leaving the game and starting up a co-op session, it would be so much more powerful. So the co-op and sharing, that dynamic, I can join in at any point. It's super quick to do that. You can join in for 5 minutes or 5 hours. It's really, really important to me. And doing that over live is even more important. The idea that you and I can play for 10 minutes or 15 minutes or an hour over live really makes me think of live in a different way. But we had a problem with that. And the problem was, how do you find the people to play with? And that's where we came up with this idea of ambient orbs, the idea that you see these ghosts of your friends or people that live near you or people at your same gamer store walking around your world. Now that is where they are in their single player game on their machine. You can go up to these ghosts, you can say, hey Peter, hey come on, we'll co-op for a while. And it's only when you go into someone's world that something amazing happens. It's only when you come into my world and see how different it is to your world, how different my hero is, how different the dog behaves, how different my wife is in the game, how different my child is in the game, how different the whole region is, that you realize that, you know, my world and me and the game and all that is unique to what I'm like. Those are the three big things in Fable 2. Now, we've got other things like free roaming and crime systems and 300 weapons, gosh knows what else, but those are the things that I think that represent the special features in Fable 2. Tout comme dans la série Fallout, un nouveau personnage fait son apparition dans Fable 2, le chien. Une feature que l'on pourrait croire a priori gadget, mais qui sert au final plusieurs des axes de développement souhaités par Peter et son équipe. What we did, we approached Fable 2 in a very different way. We experimented with things at the start. Now, when I went into the team, as I do, and I in that experimental stage, I said, I've got a great idea. I've got the big feature for Fable 2, and I built it all up to the team members. I love doing this, and people hate me for it. I went in, like on Monday, and I said, I've a great idea for Fable 2, the big feature. What is it? Everyone, I'm not going to tell you. And then Tuesday and Wednesday and Thursday, and I eventually built everybody up to a frenzy of what this idea was. And I said, it's going to be one of the greatest features we've ever done and all of that stuff. And then I got the designers in a room and I sat down and I said, we are going to create a dog. And he's going to have no special powers. And he's not going to be able to wag his tail at 100 miles an hour and fly through the air. And he's not going to fire laser beams out of his eyes. It's just going to be a dog. They all looked at me as if I was an idiot. And it's only when I think the reason I delayed telling people is I was just sorting it out in my mind. And I thought, I want the dog because I want the companionship of the dog. And then I thought, well, what can we do with a dog? What could he actually do? And we had this little test where we used Fable 1. And when after I'd said a dog, this wasn't me, this was the genius of the people I work with who are far more smarter and clever than I'll ever be. And I said, right, well, let's get this dog in. Let's see how it feels to travel around with a dog. And they, instead of putting the dog behind you, like in all games at the moment I play, if you're traveling with anything, whether it's a dog or a person or anything else, those people are always behind you. They follow you around. Instead, they just put the dog there in front of you. And suddenly, he came alive. Suddenly, he was this thing where
emotionally, I felt that he was already out there, and it meant he could do things like scout for you, he could sniff things out, he could warn you about things. I'm just putting it on fire. So he, like any game feature, it starts with an idea, but it evolves, and it's that evolution that is so wonderful. Doté de fonctionnalités alléchantes, comme la possibilité d'exercer un métier, de fonder une famille ou d'acheter redécorer sa propre maison, et apprêté d'un look en complète rupture avec les RPG japonais investissant petit à petit la Xbox 360, Fable 2 est incontestablement l'un des titres forts de la console en cette fin d'année. Reste maintenant à voir avec la critique à venir si Peter et son équipe sont parvenus à tenir toutes leurs promesses et à donner une réelle résonance ludique à leurs idées. Perso, j'avais kiffé le premier, mais il était vraiment trop court, hein, j'ai trouvé. Même en recommençant le jeu, en changeant d'alignement, et dès que j'ai fini Oblivion sur PS3, eh ben, je m'y mets, hein, Fable 2. À moins que la fin du monde ne m'en empêche. En parlant de fin du monde, comme je le disais précédemment, la première lettre du courrier de mes chers spectateurs m'a été adressée par le jeune Davy M. Je sais pas où il habite, hein, lui non plus. Alors, je lis. Cher Benoît, tu es mon animateur de 101% préféré. J'aime trop ton style et ton flow. Et si je pouvais, je te ferais un bisou sur le kick. Oh, ben merci, c'est trop quand même, je suis gêné. Et donc, il continue, il poursuit. Je me permets de t'écrire car j'ai un gros problème. Ah. J'ai commencé dernièrement un jeu vidéo dont je n'arrive plus à décrocher. J'y passe tout mon temps libre et même le temps pendant lequel je devrais écrire mes plateaux. Si ça continue, je vais perdre mon nouveau boulot. Je t'en supplie, aide-moi. Un appel au secours si désespéré réclame une solution extrême. Je vais donc demander aux âmes sensibles de couper le son de leur téléviseur ou de leur PC jusqu'à ce que je fasse ce geste. Ça voudrait dire que vous pouvez remettre le son. Je vous laisse quand même 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. C'est bon, vous entendez plus? Personne, les petits-enfants? Personne? Ok. Ceux qui n'ont pas coupé le son, ils sont prévenus, hein, ça va être terrible. Alors, Davy. À la fin de GTA 4, Nico Bellic, il meurt. C'est bon, vous avez remis le son? Bah, je suis désolé, hein, si vous êtes resté et que vous avez entendu, ou par inadvertance, que vous n'avez pas eu le temps de couper le son, s'il fallait vraiment une solution extrême, hein. Là, vous n'avez plus le choix, le pauvre Davy, quand je vois ça, ça me fait de la peine, et ça me fait pleurer. Ah, n'y pensons plus, enchaînons avec un Nicolas bien vivant et même bon vivant, puisque c'est le temps perdu de Nico Robin. Bonjour! Durant les grèves, un taxi, ça ferait bien l'affaire! Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Présenté au dernier Web Flash Festival de Paris, Crayon Physics Deluxe est un ovni dans la création indépendante vidéoludique. Dans ce puzzle game, vous devez dessiner des objets qui permettront de pousser une petite bille en direction d'une étoile placée dans le décor. Dit comme ça, cela peut paraître simple, mais toute la force du soft tient dans son moteur physique. En effet, tout ici est soumis à notre bonne vieille loi de la gravité. Alors du coup, on peut se permettre d'imaginer et de dessiner toutes sortes de délires. De quoi se secouer les neurones agréablement dans une ambiance très calme et enfantine. Attention, la version deluxe du jeu étant toujours en développement, vous ne pourrez vous essayer qu'à la version standard, malheureusement limitée aux formes rectangulaires. Mais bon, cela montre déjà le fort potentiel qu'aura le titre lors de sa sortie définitive. Précisons enfin que Crayon Physics Deluxe avait remporté le grand prix du Independent Game Festival 2008 en mars dernier. Toujours au rayon winner du dernier Independent Game Festival 2008, Synesthete était quant à lui reparti avec le prix du meilleur jeu étudiant. Il s'agit d'un Rhythm Shoot Game. Vous dirigez un petit personnage qui, comme souvent, doit tirer sur tout ce qui bouge. Sauf qu'ici, il faut tirer en rythme. Mais attention, pas à la manière d'un Rez où finalement c'est le programme qui prend en charge la partie rythmique, mais réellement au rythme, façon Beatmania par exemple. Fort heureusement, il est possible de se contenter de suivre une seule des trois voies du tracker. Mais avec un peu d'expérience et surtout un melon gros comme ça de bon vieux mégalo, on se prend vite à essayer de reproduire l'intégralité des notes représentées. Alors voilà, c'est beau, super flashy, addictif, mais par contre, complètement nul en termes de discrétion, puisqu'il va falloir balancer les watts si l'on veut un minimum progresser dans le jeu. À n'utiliser donc qu'aux horaires de bureau complètement désertés par la direction. Et donc, n'oubliez pas,
Pour gagner plus, jouez plus. Le temps perdu de Nicolas Robin, une rubrique qui porte bien son nom. J'espère d'ailleurs que les geeks et les geekettes les plus fragiles ne sombreront pas eux aussi dans la dépendance. Suite du courrier des lecteurs, avec la lettre envoyée par les jeunes Frédéric H. et Alexandre P. qui m'écrivent. Bravo Benoît pour ta nouvelle coupe, c'est beaucoup mieux, on perdra peut-être moins de monde sur les 101% que tu présentes. Par contre, si tu pouvais perdre un peu de bide, on peut plus t'anamorphoser avec le passage au 16-9, ça se verrait. Cher Fred et Alex, je vous remercie d'attirer l'attention sur ce détail. Pour nos spectateurs les moins attentifs ou peut-être les moins physionomistes. Pour le bide, quand même, j'ai rendez-vous avec le nutritionniste jeudi. Par contre, je trouve ça quand même un petit peu gonflé de s'auto-congratuler pour le succès de la pression psychologique que vous m'avez fait subir. Il y en a qui se retrouvent au prud'homme pour moins que ça. Pour cette fois-ci, je veux bien vous pardonner, mais que ça ne se reproduise pas. Encore heureux que ça ne concerne que la longueur et le style capillaire, parce que j'en connais qui seraient plus chafouinés que moi, hein. Retrouvons sans plus attendre Rétro et Magique, vous savez, avec Julien Pirou. Aucun rapport, aucun lien, non, pas du tout. Rien à voir avec les cheveux. À l'origine de la série des Commodore Keen, Tom Hall est plus connu comme l'un des trois créateurs de Wolfenstein 3D, aux côtés de John Carmack et John Romero. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'ils fondent en 1996 une nouvelle société, Ion Storm. Tandis que Romero travaille sur un nouveau projet de FPS, l'Abyssal Daikatana, Tom Hall, quant à lui, imagine un jeu étonnant, Anachronox. Anachronox est né d'un coup de foudre de Tom Hall pour un jeu très précis, Chrono Trigger. Désirant créer un jeu au gameplay similaire sur PC, l'équipe d'Ion Storm accouchera au terme d'un long et douloureux labeur, d'un titre un peu bâtard qui ne remportera qu'un succès d'estime malgré des critiques favorables. Commencé en 1998, son développement ne se terminera qu'en 2001, à une époque où le moteur de Quake 2 sur lequel il est basé est déjà largement dépassé techniquement. Mais l'intérêt d'Anachronox est ailleurs, dans son histoire captivante, son humour grinçant et son univers entre cyberpunk glauque et guide du routard galactique. Anachronox commence dans la cité planète du même nom, où vivait autrefois une peuplade extraterrestres décimée par un mystérieux virus. Cité tentaculaire dont les dédales sans dessus dessous donneraient le vertige à Escher, Anox, pour faire plus court, reprend vie avec l'arrivée de nouveaux occupants, dont les humains. Mais 80 ans après sa redécouverte, la cité spatiale n'a pas encore livré tous ses secrets. Parmi eux, d'anciens artefacts aliens, recélant une technologie mystérieuse, et donc fort logiquement appelée Mystech par la population, et qui font désormais l'objet d'un lucratif marché noir. Anachronox propose aux joueurs d'endosser le trench coat de Sly Boots, un détective privé officiant au sein de cet univers étrange. Comme le veut la tradition, Sly est fauché comme les blés et s'est mis à dos quelques types peu recommandables. D'ailleurs, le jeu commence alors qu'il se fait copieusement tabasser par un nain. C'est quand même un peu la loose. Qu'à cela ne tienne, Boots remet le pied à l'étrier en acceptant de devenir le garde du corps de Grumpos Matavastros, un vieillard acariâtre qui cherche à élucider le secret du Mystech. Avec quelques autres compagnons, dont un androïde caractériel et un super-héros alcoolique, et l'aide précieuse de Fatima, la défunte secrétaire de Boots, transformée en intelligence artificielle, ils parviendront peut-être même à sauver la galaxie d'une menace aux dimensions naturellement épiques. En tout, ce sont 5 planètes que Sly et sa clique devront explorer. Anox est l'enfant insolite de deux conceptions totalement différentes de ce que doit être un RPG. Des RPG consoles comme Chrono Trigger, il hérite de personnages bien tranchés, d'une certaine linéarité et surtout du système de combat en Active Time Battle, auquel il rajoute quelques subtilités comme la possibilité de déplacer les personnages. Des RPG occidentaux, il conserve une dimension aventure omniprésente et le ton adulte et irrévérencieux. Après 3 ans et demi de développement, Anachronox n'arrivait à raconter que la moitié de l'histoire imaginée par Tom Hall.
Une suite aurait dû apporter une conclusion, mais elle ne vit pas le jour. Les créateurs du jeu eurent toutefois l'idée originale de remonter les scènes cinématiques du jeu pour en faire un film de 2h30 qui remporta 3 prix au Machinima Film Festival en 2002. Et nous arrivons déjà au terme de ce 101% du mardi. Oh. Mais avant de nous quitter, une dernière lettre. Ah. Et elle nous vient du jeune Médicé qui m'écrit regardez EXP. Ok, regardez EXP. Voilà, comme quoi c'est plus facile de donner du plaisir aux garçons qu'aux filles. Sur cette belle leçon de vie, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à jeudi et à demain avec des vies. Oui, c'est bien ça.